Eh ben va te faire foutre. Alors, où allons-nous? Merde. Oh, c'est vrai qu'il y avait plein de trucs ici, mais c'était balèze. Il y avait ça ici. J'avais dit que j'irais plus tard ici. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Hein. Je vais me TP pour. Merde. C'est bien de vouloir se TP, mais il faut appuyer sur le bon bouton. Ouais, c'est bon. C'est mes sens qu'il fallait. Un item, non? Ouais, c'est ça. Et que quand je montais, il y avait des trucs. Ouais, non, c'était bourrin ici. Ouais. C'était trop bourrin. Bon, j'avais été là. J'ai pas essayé d'aller là. Ah ça, il y a Muriel. Tiens, on va aller voir Muriel. Je vais pas faire des voyages rapides, il faut que je pex. Je suis débile. Je sais plus ce qu'il nous disait Muriel. Ah pareil, il fallait un truc, s'il fallait mettre un truc ici aussi. Je sais plus. Bonjour. Greetings. Tu dis la sorcierie, t'es un par choix. Said that Lord Radigan harbored a secret. A famed sculptor of the Erdtree capital was once summoned to render Lord Radigan's likeness in giant stature when he glimpsed the skeleton in Radigan's closet. And as such, it's said the great statue harbors his secret too. Okay, bon, yeah. C'est d'aller là. Voir ce qu'il y a ici. C'est dans quel sens qu'il faut que j'ai. Ah, c'est. Ah! Attends. Merde, je suis peut-être un petit peu trop en hauteur en fait. On va voir si on peut redescendre, mais ça a l'air de monter. Des combats à chevaux. Je suis allé là-haut, j'en suis en fait. Qu'est-ce que c'est? Oh oui merde, c'est vrai, il y a tous les géants à la con. C'est l'endroit où j'arrive pas à déterminer où ils sont. C'est vrai.
Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller par là-bas. Parce que... Je me fais allumer la gueule. Comment je trace ? Merde, on peut pas tourner par là, je croyais. Ah si, ça. Il bande son arc, je l'entends. Il est où? Oh la vache, t'es sous le... Ah ah ah. Non, 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 non. Ouah, ouah, ouah. J'ai mis un revolver. Il y a un truc qui tue. Je peux ne plus avoir ce gros truc dans le cul, s'il vous plaît, parce que... de les finir. Ok, c'est pas la bonne idée. Ok. Ok. Putain. Il est où ? Il est... Il y en a un autre quelque part, je sais pas où. Non. Sympa touche, ces ruines. On va fouiller et on va cligner les yeux aussi. Ça fait du bien de cligner les yeux. Yes. Merde, pourquoi j'ai mis la lumière, hein.
D'accord, d'accord. Oula. Un trouillax. Ne pas tomber dans le trou. Même si, en fait, c'est juste ça. D'accord. Oh, un chasseur-cueilleur. Comme c'est pittoresque. C'est donc ça, la campagne. Qu'est-ce que tu regardes? Heureusement qu'il n'y a pas la lune de sang ici. Hein. Ok. Ah, j'avais pas vu qu'on avait perdu du monde. Y aller. Faut juste que je retrouve l'endroit. Et là c'est pas là parce que je fais le tour par là, donc c'est pas ça. Mais peut-être que. Ou je sais pas que. Il y a des petits raccourcis malins un peu partout. On dirait. Oh, du muguet. Ah, c'est pas ça. Ah putain, il est juste là, j'avais pas vu. Bah, let's go. On va regarder aux alentours s'il y a personne quand même. S'il n'y a pas des trucs cachés. Derrière les statues. Que sais-je encore, de son truc là, il va rester là, on s'en fout. C'est pas méchant. Souvenez-vous, j'en ai fait un assez tôt dans le jeu. Donc je me dis que... ça va. Et en fait, je vais faire poutrer comme une merde. Ah. Effectivement, ça a pas l'air d'être la même chose. Wow. Ah non, c'est pas pareil en fait. D'accord. C'est pas pareil. Oh putain. J'ai failli mourir. Je crois que j'ai failli mourir. Je me suis un peu paumé en fait. J'ai
pas tout explorer ce que je voulais explorer. Il y a des trucs un peu partout, putain. Ah! Ils m'ont dit qu'il y avait des trucs dans les statues et tout, donc moi je cherche s'il y a une statue avec quelque chose en particulier, mais on me dirait point. Ils tiennent des choses les statues. Ah, cette zone! Ce level design. C'est vraiment sympatoche. Ah, c'est pareil, c'est pour dupliquer aussi, d'accord. Ok. Donc c'est tous ces trucs là, ils servent qu'à ça en fait, à dupliquer. Merde. Ça marche pas. Ok. Un monsieur sur un fauteuil. On vient après. Bon, l'arbre que je dois aller. Hein. C'est celui-là ? C'est celui qui est derrière ? D'accord. Bon, bon, oui, mais d'accord, on ira après. On va déjà aller. Joueur, qu'est-ce qu'il y a-t-il là ? Oh, il en restait un. Le dernier les Mohicans. Ah merde, ils étaient. Oh, ils sont pleins. Merde. Merde. Faut faire une qui mon cheval comme ça. Faut faire une qui mon cheval par un pouilleux. Mais non, enfin. Niquez vos chevals. Bah oui, je me suis perdu, je sais plus où je voulais aller du coup. Il y avait un monsieur avec un... Ah, c'est là. Bon, ouais, ça devrait aller. Ça fait pas mal. Ah non. Ah. Ah. Yassos. Putain, alors ça... Ah, il me court après l'enclé. Bonjour, je te laisse avec un grizzly, salut. Wouah. Fuyez. Tout le monde se casse. T'as encore un? Il est pas derrière, hein. Bon. Touche au cheval, on fait ce qu'on peut. Hein. Qu'est-ce qu'on peut? Les grizzlies, moi j'y peux rien jusqu'ici. Grizzly, c'est non. Ah, une petite fenêtre. C'est tout mignon. Il y a des trucs cachés. Corne de robustesse. Respect, robustesse.
et cornes. Bon bah c'est reparti pour petit pied. Petit pied 2. Ah d'accord. Ok. C'est marrant, ils ont pas de cloche. Alors comme ça vous avez pas de cloche. Putain, le con. Gros nul. Ok, gros nul. On va revoir les distances. Ah merde, il y a des chasseurs-cueilleurs là-bas, putain, fais chier. Bon, tant pis. Putain! Merde. Ça casse vite la gueule ce truc hein, quand même. Mais j'imagine que c'est la même merde encore. Allez, pousse! Pousse, mousse, tu pousses et ça mousse. D'accord, c'est encore ça. D'accord, très bien. C'est marrant, ils m'attendent par là. Alors qu'en fait, moi j'arrive. Plein de sang, je suis couvert de viandasse. Ah, il m'a vu lui. J'ai failli tomber en plus. C'est pas le moment de danser la Macarena, madame. Oh putain. Et c'est ici que je vais les aider. Mais... Est-ce que je peux me barrer? Venez à moi. Venez là. Ah non! C'est l'arbre du monde mineur, tranquille. Ah non, 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 non. Tranquillou. Alors, tranquillou, par contre, ça implique...
Ok. On m'a rempli un glouglou, très bien. Ok. Il y a plein de pots pétés, ça va encore chier. Allez, on se souvient, c'est pas si terrible. Au juste, voilà. On dirait un Bahamut dans Final Fantasy, un petit peu. Un peu une tronche de Bahamut. Hein. Ah non, on dirait plutôt une arme. L'arme. Ouais, c'est ça. L'arme. D'Emerald, je crois, je sais plus. Celle qu'on retrouve dans l'eau après. En sous-marin. Ouf. Yeah. Ah putain, ça j'aime pas. Ça c'est la dèche, surtout qu'il y a plein de trucs sur le terrain. Faible et merde, encore un, voilà, c'est ça. Là j'ai loupé le point faible, que je suis dégoûté. En même temps faut aller vite. J'ai pas vu qu'il avait lancé un truc avant de crever. L'arme est fissurée, voilée de magie. L'arme est fissurée, voilée de foudre. L'arme est fissurée, voilée sacrée. D'accord. Odin, le FF9. Bravo! Je me souviens pas de la gueule qu'il a dans le FF9. J'ai très peu de souvenirs de FF9. Qui détruit Cléria. C'est pas Alexandre? Tromper des boutons. On prend des trucs, on sait pas à quoi ça sert, mais on les prend quand même. Parce qu'on sait jamais, ça peut peut-être servir à quelque chose. Ok. Moi je voulais aller là aussi. Faut tout redescendre.
putain, j'ai loupé celui-là. Comment ça c'est que j'ai loupé celui-là? Ah c'est les gens que j'ai butés tout à l'heure. C'est rien, c'est des morts. Alors. C'est loyal grizzly en fait. Ouais d'accord. Oh putain ouais c'est ça. Il n'y a que par ici qu'on peut y aller. Ah merde, il dort pas. C'est trop. Oh putain, c'est trop. Ah, il y en a encore un là. Merde, en fait, c'est trop haut. Ouais, c'est bon, il faut trop. D'accord, donc on n'a pas le choix à pousser, alors du coup, par là-dedans. Ou alors on contourne, on descend par là. Et... je peux aller là, mais pourtant il est. So many places. Merde, en fait, on peut pas aller, on peut pas passer. D'accord. Si. D'accord, si j'ai rien dit. Si on est passé par là. Hein. Mais merde.
redescendre par là et aller. Ouais, je vais me faire mal si je tombe. On va se faire mal. Bon. J'ai l'impression de tourner en rond, c'est ouf. De flamme exaltée. Bon, j'ai l'impression que là... Je suis déjà venu là. Ah oui. Tel le petit pousset, je sème des choses pour me repérer sur mon table. Je suis le petit goret, je sème des cadavres. C'est une bonne façon de se repérer dans l'espace. Tout est bien calme quand même. Waouh. Juste au moment où je me dis que c'est bien calme. J'ai cru qu'il m'avait entendu. Hop, il y a des méduses. Putain, mais c'est quoi cet endroit? Vous êtes pas censé être là? Je devrais pas ouvrir le feu. Ah, j'ai joué un peu à Kingdom Hearts ce week-end. Et j'ai fini le monde de la Reine des Neiges qui était plutôt bof. Mais je suis Pirates des Caraïbes, enfin la nouvelle version de Pirates des Caraïbes, et plutôt stylé. Même si c'est pas un Pixar, donc c'est un peu hors sujet avec le reste des mondes, j'imagine, qu'on visite dans Kingdom Hearts 3, qui sont très Pixar, pour coller à la direction artistique, j'imagine. Et bah... là, c'est quand même stylé. J'aimais déjà beaucoup le Pirates des Caraïbes dans Kingdom Hearts 2. Je dirais que là c'est bien mieux, en plus il y a des batailles navales et tout, c'est trop stylé. Putain, il y a plein de trucs.
Putain. J'espère que j'ai une potion de pipi au cas où elle m'attaque, hein. Oh putain. Ah, je les ai toutes énervées là. Ça va mal se goupiller cette histoire, je le sens. Ah putain. Je nettoie la zone, hein, je m'en fous. Hein. Je suis coincé. Là, je sais combien de gens. Merde, y'a un mec. Putain. C'est un méchant? Ah non, c'est pas un méchant. Super. Un PNJ! Je croyais que ça n'existait plus. Encore une fois, hein, cinématique, ouais, y en a beaucoup, mais c'est surtout qu'elles servent à rien. Moi j'aime bien les cinématiques, mais juste ça sert à rien. Quoi. C'est des dialogues inutiles entre les personnages. Ça fait rien avancer du tout. Ça sert juste à placer les histoires de Disney et tout ça. J'ai pas l'impression qu'il y en avait autant dans les autres Kingdom Hearts. Et je préfère mille fois les cinématiques qui font avancer l'histoire. Plutôt que de « Oh non, il faut aller récupérer lui qui est tombé dans un trou et que machin. » Ah oui, ah oui, non, c'est vrai, oui, les mobs dans l'univers de Pirates des Caraïbes de Kingdom Hearts 2, les mobs étaient une horreur. Il fallait les tuer à la lumière de la lune, c'était vraiment, vraiment, dans les grottes et tout, c'était de la merde. Tu pouvais pas les enchaîner, il fallait que tu donnes 2-3 coups parce que sinon ils reculaient dans l'ombre et là, c'était foutu. Mais par contre, la musique était épique. Alors qu'il n'y a pas la musique. Ah merde, non, c'est. Bah. C'est un méchant. Pourquoi t'es un méchant? Pourquoi t'es un méchant en fait? Je croyais que t'étais un gentil. D'accord, donc en fait, t'es un méchant. Et pourquoi je peux pas le. Bizarre comme truc. Merde. Ah, il peut me foutre un truc dans la. Il peut me faire de la merde. D'accord, il peut me faire de la merde, ok. Bon, on va y aller tranquille parce que. S'il peut me merdouiller. Je tombe pas dans le bon sens, putain. Ne me merlouille pas, Jean-Michel! Oh la vache. Casse-couille! Espadon de chevalier. D'accord. Et c'est tout? Il protégeait quoi? Il protégeait rien en plus. Ah! Il va rester comme ça, comme un con? Tu restes comme un con comme ça? D'accord. Bon, je monte par où, mais du coup. C'est un mec. C'est quoi? Qui tombe? Du coup,
coup je vais le vendre par où, moi, merde. Ah bah oui, maintenant bah, bah effectivement. Putain, mais on... C'est quoi cette zone de ces morts là? Où qu'on peut aller nulle part et qu'il y a des grizzlies? Putain, une heure sur un boss, deux heures perdues dans la pampa quoi. Oh putain. Je me sens moyen moi ce soir. Je cueille des baies dans la forêt. Oh, il avance un petit peu trop. Les mouvements brusques, c'est pas nécessaire, monsieur, madame. Vous pouvez vous déplacer tout en finesse. Bonne nuit, Nolip. Merci d'être passé. Ah ah, crâne. Ne trébuche pas sur le crâne. Putain mais merde, je reviens en arrière quoi. Je reviens en arrière, mais je... Ah, je sais pas par où passer, putain. Ça m'énerve. Non, dans ces zones, cette zone de ces morts là. Si je vais là, si y a un endroit pour passer là. Non, c'est là que je peux pas passer. L'endroit pour passer, il est là, mais... Je suis pas sûr d'avoir vu... un passage, ou sinon il y a le passage ici. C'est compliqué, hein. Non, y a rien. Ils mettent qu'il y a un passage. Je... Bon, c'est pas grave. Je devienne fou. Je devienne mongol. Bon, là on monte par là, je sais, je connais. Apparemment on peut monter par là aussi. Ouais, ça monte pas, ça descend là. Ah putain, j'en ai marre. Par là on peut monter. Ah
Mais non, on peut pas monter là. Ah. Voilà, on profite. Très bien. Ah, mais c'est le petit carré magique là, je me souviens. Du coup, là, je suis au-dessus. D'accord. Mais merde. On risque d'aller là, on se dit. Normalement, c'est tout droit. Peut-être qu'on peut peut-être passer sur le côté plutôt. Voyons voir. Oula, non. Ah ! Bougez ! Putain ! Ah, je suis tombé, j'aurais peut-être pas dû tomber. C'est marrant, on les voit pas les falaises. C'est une entrée dans une falaise. Puis dans le noir, je vois pas où je vais. J'hallucine. Non mais sincèrement. C'est quoi cette map? C'est pas montable, c'est ça? Essayez de me dire quelque chose. Putain, j'ai faim. J'ai envie de manger des ramen. Putain, il y a des choses en bas. Ah oui, c'est oui. Oui, oui. Je me souviens que j'avais essayé de pénétrer là et puis ça s'était mal passé aussi. Bon, on n'a plus trop le choix. Ah, par contre, oh, je vais essayer d'aller là, tiens. Ah, quoique l'eau. Je peux pas aller dans l'eau aussi, non. Il y a des chemins invisibles. Ah, bah non, mais c'est pas de l'eau, c'est un. Oui, c'est un. Oui. C'est vrai. C'est un marais. Faudrait que j'aille là, bordel. Il a l'air d'avoir un pont ici, non? Attends. Je vais y aller comme ça, parce que je me suis paumé dans cette zone. Je préfère me TP pour éviter de retourner en rond encore pendant une demi-heure et gâcher ma dernière demi-heure de jeu. Voilà. Un petit peu de mal. Quoi? Non, attendez. Ça a l'air d'être ça. Non. Putain, mais... Ça m'énerve. En plus, je suis sûr que je perds mes autres... Mes... J'ai mis des repères un peu partout. Je suis sûr que je les ai perdus à cause de ça. À cause que je me crois dans Breath of the Wild. Alors que c'est pas Breath of the Wild. Bonjour. Vous êtes un méchant? Ah oui. Monsieur le méchant. Le méchant. Le méchant. Oui, c'est lui. On va le prendre par le cul. Hop là! Ça, c'est mort et c'est bien mort. Alors, donc, c'est par là. Ah. Du coup, je suis trop en hauteur là. Mais carrément. Qu'est-ce qui m'a pris de me TP si haut? Du coup, pour bien faire, pour bien faire. Je suis à combien de points de stats là, mon cul? Putain. 12 000, c'est pas assez.
Du coup, faudrait que... Putain, la vache. Faudrait que je me re-TP là. Forêt cristalline. Et ici, il y avait le dragon. Oh oh oh. Maintenant, j'ai une mitraillette. Donc, on va repasser par la forêt cristalline, du coup. Je sais plus ce que c'était, la forêt cristalline. Cristalline, cristalline, c'est la forêt cristalline. Oh, y'a quoi? Y'a un petit truc qui brille et un cavalier me boule. Y'en a même deux! Y'en a même deux! Putain de merde, c'est pas possible! Bon, ça va, je les défonce. Ah, un deuxième. Un deuxième! Un deuxième! Il est où? Laisse-toi loquer! Laisse-toi loquer! Rien qu'une nuit! Laisse-toi! Rien qu'une nuit! Ah bah, c'est des pierres de forge, forcément, parce que ça valait le coup de pas passer à côté. Ça valait pas le coup de passer à côté, je veux dire. D'accord. Je sais pas à quoi ça sert, ces putains de trucs de merde. Ah, y'a une zone pas connue. On se rapproche du dragon, donc... Ouais, on tente moyen, là. Une zone connue, pas connue près des dragons, et je me fous à moyen. C'est méchant, ça. Ah. Je ne sais plus ce qui est un monstre et ce qui n'en est pas. Ça ressemble un peu à des cafards, ces trucs, c'est triste un peu. La plupart des strums, on dirait qu'ils subissent leur statut de strum ici. Ah, les trucs qui volent. Ah, c'est cancer, ça, les trucs qui volent. Ah, putain, les langoustines. Faisons gaffe, on sait pas trop sur quoi on va tomber. Faisons gaffe, C'est un coup à se faire entuber. Oui. Petit poney, petit poney. Ah, c'est un truc de souterrain de ces morts, ça. Oh merde. C'est joli, hein. Les bleuets comme ça. Moi j'aime beaucoup les fleurs. Les fleurs comme ça sont jolies. Je crois que Johanna serait là, ça. Oh, c'est trop beau. Bonjour. Ici, il me montre un livre avec sa bouche. Chercher trois bêtes érudites. Ah, ça commence maintenant, c'est ça? Oh la vache. Ah non, c'est ces trucs de merde. Ah! Trois bêtes érudites. Comme ma bite. Une... Ah ah! Tiens! Bon, déjà on en a une, ça c'est bien. Toujours donner un petit coup dans le dos, s'armer les cervicales.
Ah ouais, elles sont bien cachées, dis donc. Ah, peut-être qu'il y en a une sur les remparts. Oh ! Oh la coquine ! Comment je fais pour l'avoir ? Ah ! Putain, elles peuvent être dans les arbres. T'as déjà vu des tortues dans les arbres ? Maître Splinter serait tellement fier. Where is the last one? Kowabunga? Quelqu'un? Ça se trouve, elle est en bassesse. Oh la vache. Je ne la vois point. Pas dit entre merde. Ah. Putain. Elle est là-haut, mais j'ai pas assez de jauge de grippe. Ah mais non, mais même avec une jauge de grippe, je pourrais pas y aller parce qu'il y a pas de jauge de grippe dans le jeu de ses morts. Peut-être. Ah dis donc, il y a une grâce à toucher. Peut-être qu'elle est en contrebas. Je sens bien que c'est en contrebas cette merde. Ou en contre-haut du contrebas là. Ah merde. Pourquoi il y a une musique angoissante alors que je fais rien? Je cherche une tortue, les mecs. On va se calmer, quoi. Si tu ne trouves pas la tortue, on te coupe les couilles. Et on te les fait bouffer. Bon, je vais devoir... Oh, ça a l'air d'être une zone sa mère, ça. Non ? Ah non. Pas de problème. Putain, mais Nick. Nick la monique. Cacher dans les égouts. Non, mais il faut s'équiper de l'item pizza. Ah, elle était sur le contre-haut du contre-bas. C'est ce que je me disais. Dès que j'ai vu ce spot, je me suis dit... C'est forcément là. Maintenant, on se casse la gueule. Et on meurt. Et on pleure. J'ai résolu l'énigme, tu me dis quoi? C'est bon, c'est fait, d'accord. Attention, pas backseat. Ça va, je pense pas que c'était du backseat. Là, c'est pas des tableaux à chercher. Ça. C'est vrai qu'ils brillent, les tableaux à chercher.
je pète tout, moi. Ah, il y a une échelle, bah, bien sûr. Grimper, c'est pas Breath of the Wild. Voilà. J'hésitais à mettre un lol pour montrer que c'était 100% de la blague et pas du backseat. Donc, je pense que coach a renchéri sur ta blague. Avec une autre blague. Bourgeois! Ah non, c'est Montjoie, Saint-Denis. On aurait dû faire un Godefroy de Montmirail en fait. Un mémolite! C'est dédicace, c'est mignon. Vous voyez, même les mecs de From Software, ils sont abonnés à la chaîne et c'est leur façon de me soutenir. J'ai envie de leur dire non, mais les gars, donnez-moi de l'argent. Payez-moi pour jouer au jeu. Ça me soutiendra plus qu'un petit clin d'œil, quoi. Parce que là, personne va me croire quand je vais dire dans From Software, il y a une référence à Mémons-nous. Oui. Allons toucher là, allons tenter de la grâce. Putain, il y en a plein partout, des gros maboules, là. Donc on va... Ah ouais, non, on dirait qu'il y a quand même un moyen de pas y aller, en fait. Putain. Nous allons bien voir. On va passer par là, nous allons éviter ce... est-ce qu'on peut vraiment les éviter? On dirait que non. Ah, c'est halable! On peut y aller. Il doit y avoir un truc là, non? Ah oui, il y a des messieurs. Des messieurs maboules. Des moustiques. Moustiques! J'ai vu un monsieur maboule se balader là. Je me baladais. Hétéroclite. Autant il vire éclate. Une queue, l'hétéroclite. Mais c'est trop fouillax. C'est farfouillax. J'imagine qu'il y a des gens là au milieu. Oh putain. C'est la tribu de Dana. Ah non, il y a un gros blob. Pouvoir découvrir une nouvelle zone. Ah mon dieu, c'était... Ah mon dieu. Ah. Ah, c'était juste là en fait. Mon sang. Quelle branlerie. Carte 3, oui. Oui, c'est joli. Oh, il y a une zone là, un cachet. Il y a un bateau. On peut aller le bateau. Ah, il y a un chemin malin, en fait. C'est ça, c'est des chemins malins, ça. Ah. Ah non, c'est juste des vagues. On croirait des chemins malins, hein, quand même. Moi, j'ai envie de croire à des chemins malins. Quoique, il y a peut-être... Il y a un arbre. Il y a un arbre là. Il faudrait peut-être y aller ici. Allez, on va essayer d'y aller là avant d'aller. Là. Oh. Ça a l'air intéressant. Mais allons déjà. En arrière. Non, c'est pas en arrière comme ça, c'est en arrière.
À coup de dada. Ah oui, non, mais c'est où? Ah, en fait, c'est où, merde. Et j'ai pas le pouvoir de Falco, donc je vais pas pouvoir. Ah. Oh putain, de simple fantassin. Merde. Oh la vache. Ok, d'accord. Oh, c'est pas là que je vais mourir quand même. Oh putain, si c'est là que je vais mourir. Ok. Déjà lui. Parce que lui, il va me casser les couilles. Il va se suicider? Ah non. Ah, il est pas si con que ça. Enfin, là. Ils font de la magie, eux aussi. Mais niquez-vous. Pourquoi je m'en vais de mon dada, moi. Ouh. J'ai les yeux qui saignent parce que je les ai pas fermés depuis 2 heures, 3 heures, je sais plus. Ah, c'est parce que d'accord. Ah merde. Ok. Maintenant le cortège est dead, c'est parti.
Ah, au secours, je suis coincé, je peux pas le taper où je voulais le taper. C'est con. Hein. C'est la première fois que j'en ai tapé un. Eh merde. C'est tout un truc hein, la première fois que j'en ai buté un, on a dit, hein. De ce truc là. Merde. Là je vais mourir comme un con. Ça marche, bisous coach. Ah oui, déjà minuit, putain, j'avais pas vu. J'ai pas tardé à arrêter, je pense. Parce que grosse journée demain. Grosse journée de ces morts. Puis le chevalier Caria. C'est bien ça. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Putain, j'ai une épée fine de noble. J'ai plein de trucs en fait, mais j'utilise que mon équipement de base depuis le début. Vise le Nunus. Le Nunus. Tu parles du trou de balle ? Et ils ont pas de trou de balle ces trucs. Vous croyez qu'on peut monter par là en fait ? Bonjour. Alors c'est... Merde, vous êtes tous un petit peu magiciens, non, par là. Putain. Il est où ? Le connard qui me snipe, là. Alors, il y a lui. Mais ça, c'est bon, j'en ai fait mon affaire, j'en ai fait mon 4 heures. Il y a un autre gars. Oh, il y a des gars partout en fait. Oula! Dégage! Dégage tout de suite! Oh, très bien, combat prêt. Putain, sa mère! Ah! C'est de là-haut en fait qui vise? On dirait bien. Ouh! Les fortifications sont fortifiées. Oh la vache. Y'a quoi là? Y'a des méduses, d'accord. Ah putain! Soyons en mouvement. D'accord, je te vois. Ok, pas de problème. Ah merde, y'a ces trucs à la con. Mais d'abord, le sniper. Il se trouve dans un autre camp. Ah! Putain. Y'a du monde, hein. Ouah, y'a du monde. Méga. Voilà. Tout est bien, qui finit bien. Je suis à cheval. Ah, je me coince dans les choses.
C'était un petit peu couillu ce que j'ai. Aïe 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 aïe. Venez m'affronter dans une grande plaine, s'il vous plaît. Voilà. Là, ah, voilà, on va vous empiler sur les cadavres de vos potes. Le gros d'abord. Oh, le gros monsieur d'abord. Ah. S'il a pas de nunus, faut que je lui en fasse un, c'est ça? Ouh là là, passe. Ah, ça c'est imparable, c'est trop chiant. Ils sont chiants. Hein. Toutou. Merde. Saccagation. Alors par là on redescend par derrière, c'est ça? Ah mais là il est tout là-bas en fait. Mais là il y a quoi? C'est une forteresse ici? On dirait qu'il y a des trucs maboules ici. Bon, faut que je m'arrête à un spot significatif, sinon je vais jamais m'arrêter. Est-ce qu'on va jusque là ou est-ce qu'on va là-haut? Moi je dis, ouais, on va faire ça. On va aller jusque là, comme ça après on reviendra en passant par là. Bouclier de méduse, graisse sanguine. J'adore trouver des trucs que je comprends pas. Ça suffit tout noir là, putain. Jusque l'arbre monde là. Et. Oh la vache. Il y a une grâce. On va aller jusqu'à là. Là c'est l'académie qu'on voit sur le côté. Ah d'accord, donc ça ce qu'il y avait ici c'était pas l'académie. Je vais à la grâce. Et puis comme ça on prendra la prochaine fois. La prochaine fois on ira là. Et après. Il y a encore un autre truc après là-haut. Oh. Et après on ira. Je vais mettre des repères du coup. Oui, j'avais des repères ici, je sais plus. Je les ai plus. Hop là. Et de là. Voilà. Ça marche. Bon, on a bien avancé, je pourrais peut-être même level up, mais... Allez, je level up. Comme ça,
on respawn tout le monde pour la prochaine map. Après on n'a plus rien à perdre. Ah, modifier les vêtements. Altérer. Ah ouais, d'accord, on peut. D'accord. Si, c'est ça. Ok. Niveau 58. Et ben ça specs tout seul tout ça. Bon ça va, je commence à avoir un bon petit niveau, une bonne petite force de frappe, bonne petite vigueur, tout ça. Ça se fait tout seul.